Ok. Alors, je suis Gervais Lessard, fils de Jacques Lessard et de Anne-Marie Dubé. Mon nom, c'est Kenlo Cracknuck, a.k.a. Akeno Coco. Jouer quelques des disques de musique congolaise. C'est de la musique qu'il y en a tout le temps eu chez nous. Là. Mon père était un roi de piano. On avait la danse obligatoire dans les soirées. Il y avait tout le temps de la musique à la maison. Il y en avait très, très régulièrement. Habillé chic, avec des costumes. Il fallait danser quand même, se lever. Toutes les sortes d'occasions, on se faisait des parties de famille, ça jouait aux cartes, puis il y avait tout le temps de la musique mélangée à ça. Je sais pas, j'avais peut-être 12 ans. J'ai commencé à écrire du rap, puis les beats, ça a commencé un petit peu plus tard, vers la fin du secondaire, quand je me suis rendu compte qu'au-delà de juste rapper tout le temps, écrire des paroles, que j'étais vraiment dans mon métabolisme, quelqu'un qui avait besoin de musique. J'ai décidé de m'auto-produire une thérapie un peu. J'ai un piano chez nous, je suis toujours en train de pianoter. Je trouve des airs, c'est comme ça que je compose la musique. Ou en surluttant, des fois, quand je conduis en auto, je surlute tout le temps, moi. J'ai une manie que j'ai. Alors, des fois, je fais des petites découvertes, puis là, j'essaie de les retenir. À cette heure, avec les iPhones, les iPods, c'est pas pire, on peut s'enregistrer. Sauf si on a une idée, on peut l'enregistrer. Alors, on utilise des moyens techniques modernes pour faire de la musique ancienne.